Enchantée. Enchantée, nous avons rendez-vous ensemble, oui, pour effectuer une pigmentation des sourcils. Alors Ophélie, tout d'abord merci de votre confiance, je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se passer au niveau du maquillage permanent des sourcils. Donc on va faire un tracé au crayon de façon à ce que vous puissiez voir ce que je vais vous proposer comme forme, comme ligne. Je suppose que déjà vous mettez du crayon. Oui, je fais un trait de crayon. Oui, 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 effectivement. Oui, vous n'en avez plus beaucoup. Hein. On voit que la ligne est très, très, très fine, très clairsemée. Les sourcils sont un petit peu bas. Donc, on va peut-être un petit peu les remonter. Bon, je vais vous expliquer comment ça va se passer. Donc, dans un premier temps, je vais vous faire une ligne au crayon de façon à ce que vous puissiez voir ce que je vais vous proposer comme forme par rapport à votre visage, par rapport à la forme de vos yeux. Donc, je vais mesurer pour vous faire des sourcils qui vont être symétriques l'un et l'autre. Ça va apporter beaucoup de peps aussi à votre visage. Et peut-être les remonter un petit peu pour sublimer un petit peu plus votre regard. Vous avez de très jolis yeux. Et c'est vrai que le sourcil un peu bas peut donner un effet un peu triste. Donc on va un petit peu les remonter. Mais je vais vous montrer au crayon. Donc on va faire du maquillage permanent, c'est donc du poil à poil. Alors le poil à poil, c'est ce qu'il y a de plus joli parce que c'est hyper réaliste. Ça imite vraiment votre poil, ça va donner l'illusion que c'est votre poil, un petit peu comme ça en trois dimensions, pour donner un effet beaucoup plus naturel hein, que deux traits qui ne sont pas très 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 jolis. Voilà. Alors avez-vous des questions? Et combien de temps ça dure dans le temps? Alors étant donné qu'on va utiliser une couleur un peu châtain foncé hein, par rapport à votre carnation de peau, couleur de cheveux, on va dire que ça va durer à peu près entre 2 et 3 ans. Il y aura une retouche, cette retouche on la fera dans un mois, elle est gratuite. Ophélie, ça vous plaît? Très bien. Ça change, hein? Alors c'est un petit peu foncé aujourd'hui parce que ça vient d'être fait, donc la couleur baissera d'intensité. Les petites rougeurs autour vont disparaître dans 20 minutes. Et puis, vous devez faire attention pendant 8 jours de ne pas mettre d'eau, de ne pas frotter, de ne pas gratter. D'accord. Et surtout, pas d'exposition au soleil. Et puis, une petite crème cicatrisante chaque soir avant d'aller au lit.